Et salut les amis, c'est The Link, on se retrouve pour une nouvelle vidéo annonce. On est sur ma chaîne, vous le voyez, pour une annonce comme je viens de le dire. Une plutôt grosse annonce, parce que vous le voyez peut-être, mais le pseudo de la chaîne a changé. Voilà, donc je l'ai fait aujourd'hui. C'est fait, voilà, vous le voyez hein, de toute manière sur l'écran là, enfin sur la vidéo que vous avez en fond. Donc on est passé à QuarkSize qui s'écrit donc comme ceci. Il y a juste le logo qui veut pas se changer, je sais pas pourquoi. Et il est fait, hein, c'est changé, c'est juste que YouTube veut pas l'update. Hein, voilà, je peux refresh, vous allez voir, toujours le même, hein, pourtant il est changé. Hein, si je vais ici, il est changé. Voilà, donc pas de soucis, laissez tomber. Pourquoi donc changer de pseudo? On va revenir un petit peu sur le sujet de cette vidéo. Tout simplement parce que j'y pense déjà depuis pas mal de temps. À changer de pseudo. Et là j'ai eu 18 ans, c'est fou, je me sens plus. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste que voilà, The Link 98 m'a jamais vraiment convaincu. D'où ça vient The Link 98, je l'ai jamais expliqué. Ça vient d'un jeu, je saurais même plus dire le nom. Ça vient d'un jeu sur mobile auquel on jouait avec Ranko. Et j'avais besoin d'un pseudo, j'avais quasiment jamais joué quoi que ce soit, donc voilà, un pseudo. Et je me dis, allez, quel héros me paraît un peu stylé. Oh, Link. Allez, Link 98, c'est parti. Pseudo déjà pris. Ah, oh, flûte. Ah, oh, bah, The Link 98. Ah, oh, le pseudo est bon. Ok, d'accord, vas-y, c'est bon. Et depuis, c'est resté. J'ai toujours mis ça. Mais depuis, j'ai continué à chercher un pseudo dans ma tête. Et puis, le jour où j'en ai trouvé un, bah, j'avais déjà lancé ma chaîne. Et je me suis dit, ah, ça va être compliqué de changer le pseudo. Ce pseudo que j'ai trouvé, c'est QuarkSize, évidemment. Mais je me suis dit, c'est compliqué de changer de pseudo sur YouTube. J'ai pas envie de déstabiliser les gens et tout. Voilà, donc j'avais pas envie. Enfin, si, j'avais envie, mais j'étais un peu retenu. Et là, c'est bon, j'ai envie de changer. J'ai changé partout. Sur Hearthstone, c'est changé depuis genre un an. Sur Minecraft, je l'ai changé récemment, il y a moins d'un mois. Et un peu partout, c'est... Je commence à le mettre et QuarkSize, et donc je me suis dit allez, c'est bon, il faut que je change sur YouTube aussi, parce que sinon je changerai jamais et je vais rester bloqué à The Link 98 qui ne me satisfait pas vraiment. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose qui change en soi sur la chaîne. Je ne supprime pas mes anciennes vidéos, je vais pas changer la méthode de faire mes vidéos, je vais pas changer le concept de la chaîne, ça reste le même, c'est juste un changement de pseudo. Faut que voilà, c'est tout. C'est juste un changement de pseudo. On va voir si le logo c'est update. Toujours pas, ok, très bien. Donc voilà, voilà, en gros c'est la plus grosse annonce de cette vidéo. Avec ça, il y a une deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le rythme des vidéos. Alors vous avez peut-être vu que pendant les 3 dernières semaines, il y a peu ou pas de vidéos qui sont sorties. Il y en a une ou deux, quoi. Donc c'était pas génial. Mais voilà, ça vient du fait que je suis rentré à l'université. Voilà, je l'ai dit, j'ai eu 18 ans il n'y a pas longtemps, je suis rentré à l'université. Il faut le temps de se mettre dedans. Qui dit université dit beaucoup de travail, qui dit beaucoup de travail dit moins de vidéos, forcément. Et donc, c'est là que je veux en venir, c'est qu'il y aura certainement un peu moins de vidéos. On va essayer de garder un rythme régulier, on va juste se mettre un nouveau rythme. Là, j'étais sur un rythme de 3 vidéos semaine, qui était respecté. Avant les 3 dernières semaines, évidemment, puisqu'il n'y a rien qui est sorti. Mais c'était respecté. Et donc on avait le mardi Fairycraft, le jeudi une vidéo détente et le dimanche un let's play ou une map Minecraft. Et on va tout simplement supprimer les vidéos détente ou les let's play, je ne sais pas encore. Et en fait, pour ça j'attends votre avis. Et je sais pas si vous préférez les vidéos détente, genre ouais hey, on se fait un Rocket League, vas-y je filme. Ou genre ouais oh, j'ai envie de faire une game d'Hearthstone, vas-y je filme. Et pareil sur un mini-jeu sur Minecraft ou quoi, et ou si vous préférez quelque chose de plus construit, un let's play sur des jeux. J'ai dit ça, j'avais déjà fait une annonce là-dessus pour dire des jeux moins ambitieux, genre Portal, qui va continuer d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas, j'attends votre avis pour ça, donc n'hésitez pas à commenter, du coup, ce serait assez. Ça m'aiderait beaucoup. De base, je pense garder les let's play et les maps, mais je ne sais pas ce que vous préférez, donc voilà, on va voir. Et donc, ça sortirait le mercredi, on aurait la vidéo Fairycraft. Fairycraft, je veux le garder, ça, de base, donc on n'y touchera pas. Et
l'autre vidéo sortira le dimanche. Je ne sais pas encore ce que c'est. Pour l'instant, ce sera des let's play, mais j'attends vos retours. On va toujours update, on va voir. Toujours pas! Ok, YouTube est vraiment rapide, c'est fou. Donc voilà. En même temps, je voulais quand même vous remercier encore une fois, parce que j'ai vu qu'on avait passé le cap des 10 000 vues sur la chaîne. Ça représente peut-être pas grand-chose, 10 000 vues en tout, tu veux te dire, ouais, 10 000 vues en tout, il y a des gens, il faut 10 000 vues en 5 minutes, voilà quoi. Mais voilà, pour moi ça représente beaucoup, surtout, t'as genre un tiers sur la même vidéo qui est ici, voilà, 3316 vues, donc ça me fait plaisir, il y a un an elle est sortie. Tutoriel sur la ville Moyen-Âge, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue, mais bon, si vous êtes là, je pense que vous l'avez vue. Et du coup, voilà, donc. N'hésitez pas à me donner vos retours par rapport à ce changement, cette annonce. Et puis on se retrouve donc dans de prochaines vidéos où il n'y aura rien qui changera. Peut-être il y aura encore une interruption, le temps que je me mette dans mon rythme de travail, etc. Je pense par commencer avant 2 ou 3 semaines encore. Donc voilà. Peut-être des petites vidéos ponctuelles comme dernièrement avec ma plus belle action Rocket League que vous pouvez aller voir. Et ou les vidéos pour Ubisoft, évidemment. Qui ne sont pas des vidéos de sponsor ici, je dis pour Ubisoft, mais c'est voilà, autre chose, c'est juste moi qui ai décidé de le faire, parce que c'est sympa. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos sous le nom de Quark Size. D'ailleurs, à mon avis, les autres vont continuer à m'appeler The Link, donc vous entendrez certainement encore The Link, hein, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en début de vidéo, lui dire « Salut, c'est The Link », ben, je dirais « Salut, c'est Quark Size ». En gros, ça changera ça, c'est tout. Les autres, ils vont continuer à m'appeler The Link, je le sais. Et Wag, il a changé de pseudo il y a 2 ans. On l'appelle toujours Jojo comme avant, donc voilà, c'est n'importe quoi. Donc sur ce, on se laisse et on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Salut les amis!